cher ami mondien, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une magnifique pièce de ma collection. Une montre Rolex du film Vivre et laisser mourir, sorti en 1973. Dans le film, Bond explique à M que tirer la tige sur cette montre Rolex ordinaire active un champ magnétique hyper intensif, assez puissant pour même détourner le chemin d'une balle à longue portée. Mais bien sûr, Bond l'utilise à la place pour fouetter une cuillère de soucoupe de café de la tasse de M, et plus tard pour décompresser la robe d'une demoiselle. Mais pour une fois, dans la saga, on ne voit pas Q donner ce gadget à Bond, mais c'est M qui le donne à sa place. Married by any chance, are you? Good morning, 007. Good morning. I've got your ticket to New York. Q has repaired your wristwatch and some background material on San Monique. Thank you, Moneypenny. I'm sure the overburdened British taxpayer would be fascinated to know how the Special Ordnance Section disperses its funds. In future, Commander, allow me to suggest a perfectly adequate watchmaker just down the street.